Bonjour. Salut. Bravo. On va causer un peu. Hey, chez toi. Où est ma... Où on est, Joe? Quoi? Espagne. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le verre fait pas être mal? Ce mal va. Il y a un problème? Pour moi, non, mais pour lui, peut-être bien. C'est pas ça, mais Luan ne parle pas notre langue. Je vois. Alors tu vas faire l'interprète. À la place de l'héroïne, il y avait de l'ecstasy dans le fourgon. T'es sérieux? Bah, plutôt, oui. Petit, c'est une chatte qui attend. T'as qu'à fourguer l'ecstasy? J'ai pas de réseau pour ça. Ce qu'il me faut, c'est de l'héroïne. Donc, héroïne, donc. Héroïne. Je veux de l'héros. Tu comprends? C'est clair, non? Les vigues, non. Il a dit calme. Ça va aller. J'y connais rien en ecstasy. Je travaille qu'avec l'héros. Je perds du business sans dope. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors explique-lui. Dope et dos et héroïne, c'est... Attends... Extase, tu dois s'y avoir pas vitamines. Les vitamines, eh, vous auriez pas l'intention de me baiser tous les deux, non? Arrête de te faire des idées, Milo. Ah ouais. C'est rien qu'un malentendu. Ah ouais, c'est ça. Un malentendu. Je dis dame. Prête pas que t'as là. T'as bonne idée, non? Du coup, je mets un pêche maintenant, non? Tape, tu vois. Ringa, t'es bon là. Alors, il va où? Il va aller dehors téléphoner en Hollande et élucider le mystère. Quoi? Élucider le mystère, ça veut dire avoir le fin mot de l'histoire. Te mine pas, Milo, respire. Tout va bien. Tu sais, c'est mauvais pour un homme de ton âge de se miner comme ça. Tu sors en boîte ce soir? Y a de ça, oui. Et toi, des chemises pour hommes, t'en as pas? Tu l'aimes pas, ma chemise? Haute couture. Haute couture, oui, c'est ça. C'est du Made in China, oui. Mais pour une Hollande, je comprends. Je comprends le rabat, je comprends le pont, je comprends le kit pont, mais le rabat, mais qu'est-ce qu'il raconte, hein? Ouais, c'est juste le rabat, quand tu dresses, il y a une autre voiture qui arrive et celle-là avec de l'héroïne. Pour ce qui est des pilules d'ecstasy, on les récupère. Ah, je vois, tu préfères les garder. Eh oui, je préfère. On a donc bien s'intégré. Tu veux les fourguer? Combien? Ça sort de l'ombre. Quand est-ce que non? C'est sûr. Oh. Disons 13 par unité. Et Milo, c'est 15 le tarif normal, je t'assure. Je connais pas les tarifs. Tu vas facilement trouver à les revendre à 15 ou 20. C'est du velours. Mais t'oublie pas que la bagnole doit repartir avec l'argent ou avec la marchandise. Il est 11 heures, tu sais que t'auras le temps de les fourguer. Vendu. C'est d'accord.